Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite reprise des donjons avec la team. Donc voilà, petit bilan, j'ai terminé Frigoz 1, 2, 3 assez rapidement. Hein. Il me semble en moins d'une semaine que j'ai réalisé ça. Bon, c'était pas non plus super difficile, juste le compte à rebours. Même le compte à rebours, bon, que j'ai fait en deux tentatives parce que j'avais fail avec un petit téléfrag par rapport au compte à rebours qui avait tué quasiment toute ma team. Sinon, tous les donjons Frigoz 1, 2, 3 se sont faits en une tentative. Donc pour le moment, les gars, j'ai pas eu spécialement d'énormes difficultés, je veux dire, hein, avec ma team. Pour le moment, ça s'est quand même relativement bien passé. Et du coup, bah les gars, sans plus attendre, on va. Donc là, je suis au boss hein, du donjon d'Antinéa. Donc je m'étais mis en mode prospection. Et puis je pense que je vais laisser en fait le mode prospection. Enfin, mode prospection. J'ai juste mis voilà, le petit Tifu, c'est le petit Dofuscalyptus qui me permet de dropper un peu plus. Bon, en revanche, j'ai pas mis d'idole non plus. En revanche, il faut à tout prix que je mette l'archétype parce que je vous cache pas que j'ai quand même pas mal douillé. Enfin, j'ai douillé. Les salles n'étaient pas compliquées, mais voilà, j'ai quand même un petit peu pris quand même quelques dégâts malgré le soin justement que j'ai avec ma team. Hein. Donc là, normalement, c'est le raccourci 6. Hop, on va donner du soin parce qu'il y a quand même pas mal de mes personnages qui ont pris cher. Regardez, c'est ma Sadi qui distribue le pain. Donc je vais mettre l'archétype avec le l'Upermage. Ça va m'aider. Tout simplement, sinon bah le reste, ah oui, bah je vais peut-être mettre, alors cette fois-ci là, je vais pas me louper avec la Sramette, je vais mettre le, alors le nébuleux non, mais je vais mettre le mode tacle, parce que là ça va vraiment servir les gars, le donjon d'Antinéa, enfin le boss d'Antinéa il est quand même, bah, moi personnellement je trouve qu'il est relou, donc allez, on va enlever le tutu, on s'en fout, on va mettre vraiment le mode tacle, l'abyssal, est-ce que je laisse l'abyssal? Ouais, allez, je vais laisser l'abyssal, on enlève de la puissance, l'épée Glourson, et là normalement du coup je monte à combien? 100, un peu plus de 100, voilà, 119 de tacle, c'est parfait, on va laisser le Tifux, vous allez voir, c'est assez marrant, en plus justement, enfin, c'est assez marrant dans le sens où, lorsque vous êtes sur un montilier ou sur, enfin, avec un familier, c'est différent la façon dont les personnages lancent leurs sorts, et c'est vrai que l'Upermage, quand il lance ses sorts, c'est vraiment trop drôle, donc vous allez voir ça tout de suite, sans bah, le reste, le Xelor aussi, c'est assez marrant, et puis ça écrit, voilà, ça reste, sans bah les gars, sans plus attendre, bon bah du coup, je vais jouer ma Sadi en 11-5, je pourrais mettre le trophée, la voyageur, ou bien acheter un Vulbis, hein, carrément, mais bon, pas grave, je vais la laisser en 5 PM, quoique, 5 PM, non, en fait. Je vais éviter, bon allez, tant pis pour le Dofuscalyptus, tant pis pour le tacle et la fuite. C'est parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a des petits coquillages qui sont extrêmement relous. Bref, c'est parti alors. Bien évidemment, j'aurais pu faire le donjon à 4, ça aurait été 1000 fois plus simple. Parce que là, alors, franchement, je vous cache pas, hein, à 6, je sais même pas si je vais gérer. En plus, le Dantina est placé comme une belle... Je crois que j'ai un placement vraiment ridicule là, les gars. Et je sais même pas où me mettre, en fait, en l'occurrence. Est-ce que je dois mettre ma team en... En vrai, ça craint ce placement. Je sais même pas si je vais pouvoir gérer une tentative. J'ai un placement, les gars, ridicule. Peut-être me... Peut-être faire ça. Honnêtement, je sais pas si je vais gérer. En plus, j'ai pas de pain ici. Et j'ai oublié de mettre le sort rempotage sur la Sadi. C'est parfait. J'ai pas eu le temps. Nickel, donc les gars, le Dantina, c'est la première fois qu'il est ici. Alors je sais pas pourquoi, et du coup, bah, je vais peut-être prendre cher. Il me semble qu'il tape très fort au corps à corps. Ouais, quand même, pas trop mal, hein, pas trop mal. Donc, alors, pour ceux qui connaissent pas le Dantinéa, c'est assez simple comme principe. Vous avez justement des petits coquillages comme ça, qui sont extrêmement chiants, en fait, qui vous kick un PM infini. Donc, y a un coquillage par personnage. Donc là, je vous cache pas. Ça va être un combat les gars, bon en plus j'ai voilà comme je vous l'ai dit j'ai pas mis le sort rempotage. Mais on va essayer de gérer ça calmement, hein. Faut pas non plus stresser. Il y a 6 mobs en tout du coup. Il est où le 6ème? 1, 2, 3, 4. Ah oui c'est le Trid. Oh putain le Trid qui est juste là en plus. Généralement le Trid je kick ses PM. Bon la surpuis qui enlève un PM c'est vraiment pas folichon. Des fois elle fait pas le taf hein, la surpuissante. Alors 22 000 points de vie, j'aurais bien aimé la tuer en première, cette Dantinéa, mais on va éviter. J'ai invoqué un double qui va tanker du coup les 3 là, enfin du moins quelques tours, je l'espère. Et là en fait les gars, le but, bon malheureusement, bon voilà, j'ai pas de Kra, donc sans Kra les gars, ça va être chiant je trouve comme combat, parce que généralement avec les Kra, bon les coquillages on les tue très rapidement. Mais enfin bon, on va vraiment essayer. Donc le coquillage numéro 3 est associé au... à la Xelorette. Donc je vais plutôt...
Allez, de toute façon, on va taper. Alors, je pense que là, l'harponneuse devrait taper les trois coquillages. Donc, c'est pas trop mal, l'harponneuse, normalement. Un. Ah, oui, il tape le trid. Ah, oui, oh là là, le trid qui est trop mal placé, les gars. Franchement, si j'arrive à gérer ce boss en une tentative, va falloir m'applaudir. Hein, parce que là, je vous cache pas que ça risque d'être assez compliqué. Donc là, regardez, quand je lance des sorts avec le machin, c'est assez drôle. Surtout la réunification, c'est assez marrant. Donc là, les gars, je viens de tuer deux coquillages. C'est pas trop mal. Il faut vraiment que j'accélère un petit peu le rythme. Hein. Alors. Oh, c'est parfait, il y a le trid. Alors, le trid, les gars, vaut mieux le focus. Alors, j'espère que je peux taper. Non, voilà. C'est vraiment dommage parce que du coup, là, il y a le coquillage du sacri. En fait, ça me divise mes dégâts par deux. Et c'est assez horrible. Donc, je pense que je vais tout simplement rester ici. En revanche, bon, je vais tenter de terminer le trid très rapidement. Parce que le Xelor, je crois qu'il tape à 100% là. Bon, malheureusement, je crois qu'il a des raises. Il a 20%. Mais ça va, je tape pas trop mal. Ah oui, 1400, ok, bon, il y avait un petit bug d'affichage. Donc là, Dantina, normalement, ne devrait pas taper. Ah si, elle peut se taper avec ses alliés, ça j'avais oublié aussi. Mais bon, ça peut aller. Alors là, les gars, petit retrait PM. J'aurais peut-être pu en kicker un peu plus. Le tourton, je vais peut-être le foutre à 0 PM, tiens. Bon, je retire pas tant que ça de PM, c'est assez frustrant ça aussi. Je vais peut-être balancer une gonflable. Parce que ma surpu elle est morte, hein, je suis dégoûté. Bon, après sans doute que je l'ai invoqué un petit peu trop près. Voilà, donc ça c'est le sort ultra chiant de la poupée. C'est vraiment cancer comme mob avec le trid. De toute façon le trid là il faut que je le termine, hein, je vous le dis tout de suite. Si je termine pas le trid, ça risque d'être très très compliqué hein, ce combat. Je peux le terminer, ouais. Alors Masramet, il faudrait que je termine le gros quillage là-bas là. Parce que sinon je tape rien. Voir les dégâts c'est minable. Je vais refoutre le dentier au cac. Ça c'est parfait. Du coup regardez mon comploteur. Ah qui a plus beaucoup de points de vie. Ah j'avais pas vu les gars. Mon comploteur il est bah il est mort en fait. Ah oh, ça craint, faudrait que. Bah bon allez, on va essayer de bien jouer les gars. On va arrêter de faire des conneries là. Déjà, oh le trid. J'avais voulu peut-être invoquer. Ah parfait, j'ai de la chance un petit peu pour une fois. Voilà, une gardienne qui va un petit peu me soigner. Il faut vraiment que je soigne ma team, surtout le sacri qui a pris cher. Sinon le reste de la team ça peut aller. Mais là il faut vraiment que je termine les gros quillages. Donc ça c'est parfait. Et là il y a un gros quillage, donc c'est le perso numéro 2. C'est l'Upermage justement, c'est mon tour de jeu. Et c'est vrai que j'ai des types aussi hein, donc ça il faut pas que j'hésite. Donc on va y type le sacri. 1200 full life, non quasiment. Bon, pour le moment, les gars, le combat il se passe pas trop mal. Sauf qu'il y a un gros cache qui est en fond de map là. Et faut à tout prix que je le chope, hein, ce gros cache là. Parce que sinon, je serai dans le mal. Donc, le sacri, je pense qu'il va en fait finalement jouer le rôle de tank, les gars, dans ce combat. Je vais peut-être faire quelques dégâts. On va peut-être aller ici. Et on va peut-être faire un berserk comme ça. Prochain tour, je vais trucifier le Diondin. Donc, le sacri qui est le perso numéro 4. Et il me semble, hein. Donc son gros quillage est déjà mort. En revanche, là, bon, le Xel, là, va falloir qu'elle fasse aussi elle-même des dégâts. Hein. Faut à tout prix que je fasse du sale. Donc ça, ça en fait un. Bon, là-bas, je pourrais faire une Flamish éventuellement. Je pourrais peut-être TP. Non, allez, on va peut-être... ouais, je sais pas quoi faire, les gars. Faire une maîtrise. Ah, les dégâts sont vraiment assez dégueux, mais il y a un bug d'affichage quand même dans le combat. Alors, aïe, la Dantinéa. En plus, là, les gars, il faut savoir qu'au tour... Alors, je crois que ça va être tour 5 hein, ou tour 6. Si je tue pas tous les gros quillages en vie, le personnage en question meurt. Donc, ça serait assez... bah, pas marrant du tout. J'ai pas de portée, en fait. Je sais pas qui c'est qui me kick la portée comme ça. Pff, aucune idée. Ok, c'est la poupée, mais c'est vraiment un mob de merde, hein. Alors, la folle. J'aurais peut-être pu invoquer en puissance sylvestre, je peux pas. Non, mais c'est vrai que rempotage, les gars, j'aurais dû le mettre. La variante, j'aurais dû clairement la mettre parce que, bon, ça pesante. Il y a vraiment un temps de relance mille fois trop long, c'est insupportable. Alors, c'est au tour de la Sramette. Je peux éventuellement. Ouais, puisque purée, il y a encore mon
Ah, ça, c'est pas possible, hein. Ça, c'est pas possible. Faut que je termine là, mon fucking... Voilà, merci. Pas trop tôt, en plus, je récupère mes PM. Je pense qu'on va faire le tour de la map, hein. Le problème, c'est qu'il y a encore un gros cage là-bas. Bon, déjà, je vais évoluer la gardienne. Je sais pas si elle est niveau 3, maintenant. Non, que niveau 2, c'est assez chiant, ça. On va taper, tout simplement. Le rayure, ça fait quelques dégâts, mais c'est pas folichon. Saki, j'ai pas vu sa vita, ça va être tendu. La gardienne, du coup, qui sert à rien, parce que c'est massacré, elle est trop loin. C'est vrai que je peux balancer de les types. Alors, je vais même mettre un boubou... Bon, est-il d'abord 1000 et un boubou feka. Boubou feka, chaque fois je confonds. Bouclier qui me donne... Bon, bah, du coup, les gars, je monte à 50% reste partout avec la Sacri. Ah, magnifique. Du coup, les gars, je vais faire extrêmement mal avec ma Sacri. Je pourrais même peut-être tuer le... Je sais pas si je tue le gros quillage, parce que là, j'ai envie de taper très fort. Je vais peut-être le tuer au prochain. Et là, les gars, le Rilur qui crève pas. Je sais pas pourquoi, les gars, je tape rien du tout. Il doit y avoir un truc sur moi, là. Je sais pas ce que c'est. Ah non, vraiment, je comprends pas. C'est peut-être le gros quillage, mais... Ah, j'ai pas vu. Fuck, il y a un gros quillage tout en bas. Et c'est sur la Sacri. Oh, je suis dans la merde, les gars. J'ai 9 PM. Je vais TP, pourquoi pas. Voilà, nickel. Oh les gars, bah, mais par contre, bon, je viens de ramener dans Tinehead. Ce que je viens de faire, bon, c'est bien et c'est pas bien à la fois, c'est dire que... Je viens de ramener dans Tinehead, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Ah, je peux faire un rollback. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Pourquoi pas, les gars. Bah oui, rollback, voilà. Le Sacri va tanker. Bon. Alors. Nickel. Ouais, c'est vrai que le rollback, j'utilise pas assez ce sort. Bon, les gars, je crois qu'il me reste un tour. Sinon, là, je vais être dans la merde. Hein. L'Upermage va crever. Un tour ou deux. Massadi aussi, qui est vraiment mal en point. Je pourrais éventuellement... je sais pas, faire... ouais, petit arbre ici. Masramet. Bon, le tourton, il va rien faire pour le moment. Alors là, il y a un Jondin, du coup, les gars. Bon, qui c'est qui peut terminer ce fucking gros quillage? Je pense que le steamer va terminer le gros quillage. Du coup, bah, moi, je pourrais éventuellement commencer... Ouais, non, dans... On va la jouer safe, hein. On va la jouer safe, les gars. C'est-à-dire qu'on va faire ça. Ah, j'ai pas de portée. Franchement, c'est lamentable. Bon. Ah non, mais c'est la poulpée qui me rend comme ça. Et en plus, non, c'est bon, je perds pas mes PM. Alors, j'allais dire que le steamer allait terminer le gros quillage. C'est marrant parce que ça risque d'être compliqué. Mais tout à fait faisable. On va faire cela. Et on va finir enfin le gros quillage, mon dieu. On a mis du temps. On va balancer aussi ça. Nickel, donc là, du coup, tous les gros quillages sont terminés grâce à la Xelor, hein, parce que c'est vrai qu'elle a terminé gros quillage tout au fond. Alors, j'ai du soin éventuellement, mais là, il faudrait surtout que je tape, parce qu'on est quoi? On est tour 4, hein, il faut vraiment, les gars, que je fasse des dégâts. Hein. Allez, hop, regardez, moi, c'est juste cette animation assez marrante de réunification. On va faire une petite empreinte, et on va refaire réunification. J'adore l'hypermage, quand même. C'est assez sympa de jouer cette classe, je trouve. Alors, le tourton qui va choper personne. Super, normalement. Alors, du coup, c'est au tour de Massacri qui va faire très mal. Ah, cette fois-ci, c'est enfin des vrais dégâts. Nickel, regardez-moi ça. Hein. Je la termine quasiment à moi tout seul. Donc là, en revanche, c'est le tour du Xelor. Et là, Xelor, les gars, je vais m'amuser. Parce que je vais... faire ceci. Je vais vraiment essayer de la ramener le plus loin possible. Parce qu'en fait, si vous voulez, à partir du moment où... Regardez-moi ça. Ah, c'est nickel. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de téléfrag. Mais du coup, regardez, je l'ai bien éloigné d'Antinia, du coup, qui ne sert plus à rien. D'ailleurs, elle a toujours pas invoqué les gros quillages. Je crois que c'est au prochain tour. Hein. Ouais, c'est au tour 6, donc tant mieux. On va essayer de vraiment d'en profiter un maximum.
Et là, bon, on va essayer de faire du retrait PM, pourquoi pas. Je vais tuer ma propre folle, tant pis. Pas dramatique non plus. Et je pense que, bon, c'est vrai que là, la Sadi, bon, j'ai mis un stuff semi-retrait PM. Bon, je termine le reliure, nickel. J'aurais pu invoquer un arbre aussi pour le soin, mais bon, tant pis. Et là, la gars, bah, on va terminer tranquillement, du coup, les mobs. Surtout le Diondin. Je vous cache pas qu'avec le placement, je... comptais pas spécialement gérer ça en une tentative, même si le combat n'est pas terminé. Je peux réinvoquer une gardienne, tant mieux, parce que j'en ai besoin. On va la mettre ici. On va aller vaut direct. Et on va terminer le Diondin. Nickel. Bon, je bloque un peu, dommage pour le soin de ma Sadi. Pour le moment, les gars, le combat se passe nickel. Hein. Bon, je mets un petit peu de temps, ça fait déjà 15 minutes quand même. Hein. Sinon, bah après, voilà, j'ai de l'étype, hein, quoi qu'il arrive, donc il n'y a pas spécialement de soucis. Je peux même étype en soi la Sadi, nickel. Je peux même faire, il me semble, une petite rune des familles, je crois. Ça devrait fonctionner. Non, personne qui en est à feu, c'est pour ça. Alors, Massacri. Et là, Massacri, bien sûr, j'ai envie de démonter la poulpe. Hein. Ouais, je peux me TP avec l'arbre, c'est sympa. Allez, boum. J'aurais bien aimé la tirer. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je voulais lui faire un max de dégâts. Et là, les gars, on va peut-être... ouais, c'est au tour de l'Axel. Donc l'Axel, elle va pas pouvoir faire grand-chose, malheureusement. Si ce n'est des petites gélures. On va commencer à taper. On va se faire une petite téléfrag pour le prochain. On va gagner des PA du coup. Ouf! Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon hyper qui a pris cher, hein. J'ai pu voir dans le groupe là, c'est point de vie baissé. Ça m'arrange pas, hein, qu'il me fasse chier comme ça dès maintenant, lui. Oh, moins 4 PM! Oh mon dieu, les gars! Allez, go mettre ça en 0 PM, les gars. Go mettre la dentille en 0 PM. Oui, 0 PM, la surpuis du coup qui va servir à pas grand chose. J'ai mis dentinée à 0 PM avec ma Sadi. Nickel. Super, super, super. Bon, nous on va essayer de terminer du coup les... comment ça s'appelle? On va même foutre le dentinée là-bas. Les gros cages, on va essayer de les terminer le plus rapidement possible. Bon, du coup, on tape rien, hein, divisé par deux. En plus, bon, je ne crit pas. On va même invoquer un petit... Hop. On va faire ça. Ok, on a tué un déjà. J'aurais pu évo la gardienne et soigner quand même. Hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, nickel. Oui, bah la gardienne qui soigne quand même. Hein. Boum, boum. Allez, hop. Réunification sur tout le monde. Ah, l'hypermage, il est utile pour ça. Hein. C'est réunification qui tape... Tous les gros quillages affectés par un rune feu, donc bon, je peux. Pourquoi j'ai fait berserk? Non, je voulais faire libé moi. Laisse-moi tranquille. On va se foutre là-bas. Hein. Faut pas qu'il nous chope lui. Alors nickel, le Xel qui va tout simplement terminer. Bon, j'ai mal joué pour le coup. Ah, je tapais pas assez fort. Et puis. Je crois que j'ai une frite LF. Non, je m'étais mal placé. Je ramène la gonflable. En fait, je voulais surtout contre, mais non. Bon, j'ai bien mis le nébuleux hein, sur le Xel. Ouais, comme ça, prochain tour. J'aurai masse PA. Donc là, regardez, 0 PM, je pense que ça va pas faire grand chose. Elle va pouvoir se TP. Non, même pas. Bon, tant mieux. Il nous reste combien de. Ouais, gros quillage. Il nous en reste quelques-uns. Faut que je termine la poulpe, hein, franchement. Nickel pour le moment. Alors la poulpe, du coup, je vais la terminer, hein, quoique. J'ai tellement pas assez de... On va invoquer un double, qui va être très utile, le double, je pense. Qui va bloquer, qui va venir bloquer la dentille. Ouais, je tacle même pas un gros quillage. C'est frustrant, ça. Alors, je vais voir du coup la gardienne qui est Evo 2 et on va la foutre Evo 3 du coup. J'aurais bien aimé avant toi. Voilà, parfait. Le petit soin, j'aurais bien aimé aussi soigner la sacrée qui est insoignable. Fuck you.
Et l'UPMH qui est pas insoignable. Donc là, regardez juste les gars, le soin impressionnant. Ah, quoique, je sais pas si elle va pouvoir soigner deux fois mon hyper. Non, une seule, mais c'est suffisant, je trouve. Massacri qui est toujours en état insoignable, a priori, je sais pas à cause de quel mob. J'aimerais bien aussi balancer un boubou féca sur le sacri parce que la pauvre. Il me semble qu'elle est toujours en état insoignable, je peux le voir. Au-dessus de sa tête. Du coup, la sacri. Putain, Danti qui a encore ses PM. Je vais prendre cher, hein, sauf si avec le Xel j'arrive à faire un move de ouf. Ah, c'est frustrant ça. Bon, on va terminer. On va balancer l'épée. Il me semble qu'elle tacle, hein, l'épée. Hein. Il me semble qu'elle tacle. Ah, si je pouvais tacler le tourton. Donc là, les gars, il reste plus que deux mobs. Hein. Il reste plus que deux mobs. Il reste plus que deux mobs. Et là, ouais, l'épée qui tacle, les gars. Mais bon, il fait énormément de dégâts, le tourton. Donc là, mon but, ça va être de... de me TP avec le tourton. Parfait. Je commence à maîtriser les piles, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je pourrais faire? Balancer. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin. Non, ouais, en plus, voilà, je me suis trompé sur le petit téléfrag. Bon, c'est pas dramatique. Tout ce que je voulais, c'était éloigner. Alors, normalement, il va pas faire grand-chose. Nickel. Et là, les gars, bah, il n'y a plus qu'à tuer très très vite le tourton. Parce que sinon, il va être vraiment ultra chiant. Je peux invoquer... Bon, non, on va taper. Ouais, mais je tape pas grand-chose avec la Sadie, hein, ça, il faut le dire. On va balancer du soin, tout simplement. On va pas se prendre la tête. Ah, la gonflable qui soigne. Pas trop mal. Qui m'a donné des PM aussi. Je me décale. Je vais essayer d'avoir le soin avec la gardienne aussi. Là c'est autour du coup bon du double donc finalement a servi à rien le double, dommage. On va soigner. Oh, encore insoignable. Je sais pas qui c'est qui fait ça, hein. C'est frustrant. Insoignable. C'est l'upermage. Non, c'est la petite ramette qui en est insoignable. Ça doit être le gros quillage qui fait ça parce qu'il y en a encore un en vie. Oh, oh j'avais encore oublié lui. Allez hop. Là en revanche les gars il faut terminer le tourton. La massacrie aussi qui a plus beaucoup de points de vie. Masramet également. Massacrie va falloir qu'elle termine en plus. Hein. Donc. Tison qui fait énormément de dégâts. Heureusement j'ai la petite épée. Et je peux terminer malgré tout. Oula ouais. C'était moins une, les gars, mais j'ai bel et bien terminé le petit. Et là, les gars, on commence du coup. Et on fait quelques dégâts. Je pourrais me refaire celle-là et encore la remettre là-bas. C'est pas trop mal ce que je viens de faire. Bon, du coup, les gars, il y a le gros cage. Alors, je sais pas c'est à qui. Bah, c'est à la sacrie, justement. C'est pour ça que j'ai pas pu taper énormément. Va falloir qu'un de mes persos aille terminer gros cage là-bas. Nous, en attendant, on va rebalancer. Non, la surpuis, je peux pas, c'est dommage. On va faire du retrait PM, du coup. Et puis, on va se placer ici. Et on va essayer, bah, du coup, de terminer le combat le plus rapidement possible. Parce que là, normalement, c'est bah, c'est plié à partir du moment où il reste que le boss. C'est juste que bah, c'est parfait, je crois que j'ai assez de portée. Avec... Non, pas assez... Ouais, là j'ai assez. Oh là là, les gars, j'ai pas de chance. C'est impressionnant. On va soigner cette fois-ci. Oui, là ça va marcher. On va soigner donc la sacri. Et puis l'upermage éventuellement si j'avais la portée. Hop. Après là, y a pas grand chose à faire. Le steamer, j'étais trop loin, il me semble, pour Dantinia. Quoique non, j'aurais peut-être pu taper avec Fouen. Alors, je peux éventuellement faire polarité. Parce que là, on est à feu.
polarité pour cette épée. Et j'ai assez pour finir le... Yes, nickel. Ah, ça fait du bien les gars, on va enfin pouvoir respirer. J'ai pas la TP, oh là là. Tant pis, vous savez quoi les gars, je vais faire un berserk. Donc j'ai attiré, je fais un berserk et je vais faire une petite maîtrise. C'est-à-dire que là, prochain tour, bon, je pense qu'il va me taper déjà. Et que on va tout simplement commencer les gars à faire du sale. 1500 les gars d'Antina. Donc là on le commence. Et là bon, il vient de taper, donc là il va me donner combien de puissance? 500 puissance il vient de me donner. Et là bah du coup les gars, il n'y a plus qu'à terminer hein, tout simplement. Donc là on va vraiment se faire plaisir. On va déjà seulement 1 PM. Juste avant j'avais retiré 4. 1 PM encore. J'ai toujours pas de surpuy, ce qui est assez chiant. La gonflable, ah oui, non, oui, la surpuy, bon, était déjà invoquée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une surpuy à côté. Là, vous allez voir, la surpuy, en fait, va retirer des PM de base et en plus, encore d'autres PM. Et voilà, encore une fois, Dantinéa à 0 PM, c'est magnifique. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais, pourquoi pas, faire un petit réseau. Ça, c'est vraiment un mini réseau, quoi. On va taper, du coup, et on va peut-être soigner. Ouais, on va soigner, tout simplement, on va soigner un petit peu. Oui, soigner la Sramette, mais elle est trop loin. Alors, l'harponneuse qui fait quelques dégâts, mais qui me tape aussi, c'est ça qui est un petit peu chiant. Donc là, 800 de soins à distance, c'est magnifique. Je peux balancer des types. Ah, oh, bon, je m'attendais à un jet un peu plus intéressant. Et là, les gars, la Sacri qui va faire, mais tellement mal. Combien? 1300. Oh là 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 là. Ah, c'est impressionnant, la Sramette qui... Bah, j'adore tout simplement. Bon, je vais faire un petit flou ici. Je vais préparer mon Rox pour le prochain. Parce que moi, je suis en... Nébuba là. Et là, les gars, prochain tour, par contre, je vais vraiment... Oh non. Il y a les gros pillages. Là, je prends cher, hein, mine de rien, à vouloir jouer le héros. Je prends extrêmement cher. Allez, il faut que je tape. Hein. Faut que je tape à fond. Il faut retuer les gros quillages. Alors, on est quand même tour 11, hein. C'est frustrant ces gros quillages à la con. Mais bon, pas le choix. Nickel. Bon, lui perd, ça va, il fait le taf quand même. Hop, voilà, c'est fait. On passe à quelqu'un d'autre. Le sacri, franchement, je sais pas quoi faire. Hein. Si je tank encore avec le sacri, je vais galérer comme jamais. Hein. Je peux faire une nibée éventuellement. Faut vraiment que je dégage le... Ouais, faut que je me casse de là aussi. Alors. Bon, je sais pas quoi faire si ce n'est... Les gars, je suis en train de réaliser un truc. Vous avez le droit de m'applaudir pour ce que je viens de faire. Vous n'êtes pas obligé de m'applaudir, mais vous avez le droit. Double TLF avec double TP. Et en plus de ça, je vais faire un rollback... Ouais, c'est pas non plus folichon. Aïe, 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 les gars, je suis en train de prendre cher. Je prends cher, je prends extrêmement cher. Et pour moi, c'est dernière étape là de ce combat. Voilà, moins 3 PM, les gars, boum. Je peux balancer une gonflable, enfin. On veut du soin, nous. Ok, la Sramette, elle est où? Elle est ici. La Sramette, je vais me faire plaisir. Parce que là, je peux roxer à fond. Et Danti qui a 2 PM, du coup. Nickel. Nickel. Eh bien, c'est bon, les gars. Il n'y a plus de roquillage. J'ai été assez rapide pour le coup.
On va soigner hein, cette fois-ci. Putain, j'ai pas assez pour le... Le problème, c'est que Marie, à chaque fois, j'oublie en fait. Je pourrais faire une aspiration, mais c'est pas suffisant. Parce que bon, il me restait plus de PM. Je vais me casser, je crois. Hein. Je vais vraiment me casser et puis... faire une maîtrise. Ouf! Oh là là, le coup des types à 1700! Qu'est-ce que j'ai envie d'aller rusher, les gars? Si vous saviez. Ouais, mais bon, je vais mourir si je fais ça. Hein. Ça, c'est le problème. Le Xel, on est tourne 12, du coup... Je vais essayer de le tuer au prochain tour, le Danty. Hein. Je vais essayer de le tuer au prochain tour, on va voir. Et là, les gars, là, franchement, pas de cadeau. Full retrait. Alors, je l'ai mis à 2 PM. La surpuie qui va servir à rien. La surpuie, elle s'est éloignée comme jamais. Boum, boum, boum. Je vais peut-être faire une petite frite LF ici, ça peut être intéressant. Je pense que je vais balancer une gardienne ici. Que je vais faire ça. Si la gardienne là-bas était trop éloignée. Et bah écoutez. Du petit soin. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec... Je vais peut-être soigner. Ouais, c'est pas trop mal. Moi, c'est le tour de la sacrée. On va voir ce que je compte faire, du coup. Pas beaucoup de points de vie. Oh là là, encore une fois, des dégâts, les gars. C'est... Donc là... Ah, bah j'ai free TP, mais c'est pas ce que je voulais, en fait. Moi, je voulais... Voilà, c'est ce que je voulais, les gars. C'est-à-dire que je vais faire ça... Ensuite, normalement, si je fais une gélure ici, il revient. Et j'ai une re-TLF. Et là, je peux retaper. Bon, j'aurais bien aimé faire un contre pour nous deux. Parce que là, du coup, la sacrée qui ne meurt pas, les gars, en mode warrior. La sacrée qui ne meurt pas. Et là, bah, il me semble que c'est plier emballé. On va même foutre un petit arbre ici, comme ça. Là. En 23 points de vie. Comme ça, la gonflable, regardez, elle va soigner, en fait, à distance. Ah, si, c'est bon, elle a bien soigné. Elle se ramène. Bah du coup, les gars, là, on n'a plus qu'à terminer. Et le combat est tout simplement... Le combat est plié. Bon, du coup, le petit réseau n'aura servi à rien. Si on peut appeler ça un réseau. On va soigner ici. On va les vaux. Merde. Ah là là, les gars, des misclics comme ça, c'est... C'est pas possible. Luper. En plus, j'ai pas traversé avec Luper. Bon, normalement, je devrais terminer... Je vais passer avec Luper. Et là, je devrais terminer avec le Sacri. Et on termine! Et les gars, quand même, une demi-heure de vidéo pour un petit donjon d'Antinia. En plus, c'est cool. Je monte, du coup, Omega 134. Oh, ça, c'est pas beau. Du coup, bah écoute... Oh, ah oui, c'est vrai qu'il y avait le succès dernier. Que j'avais pas fait, a priori, sur le roublard. Bon, bah écoutez, les gars, j'espère que cette vidéo, quand même, assez longue. Regardez le combat, il aura duré 14 tours, 30 minutes, mais au moins... J'aurais fait le donjon d'Antinia avec une compo originale et surtout en une seule tentative. Donc je suis plutôt content de ce que je viens de réaliser. Du coup, bah les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. J'espère que voilà, cette grosse vidéo d'une demi-heure vous aura plu avec ma team PVM. On se retrouve très vite. C'était Jesse. Ciao. Bye bye.